Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Eh bien, il s'en passe des choses en ce moment. Comment vous dire, ça sent Noël, ça sent le sapin. Et on est en plein cœur du marché de Noël. Le marché de Noël à Bordeaux, hein, c'est une tradition ici sur les allées de Tourny. Ce sont 150 chalets venus d'un peu partout, de France, du monde. Il y a des chalets du Canada, mais aussi des producteurs de sapins. Willy Magimel, c'est le producteur de sapins du centre-ville de Bordeaux. Depuis 25 ans sur le marché de Noël. 25 ans sur le marché de Noël. 25e année, qu'est-ce qui vous motive d'être toujours présent ici, Willy ? La fidélité des clients et le plaisir de vendre du sapin de Noël. Mais alors, dites-moi, vendre des sapins dans le centre-ville de Bordeaux, c'est une place qui vaut cher, là, qui vaut de l'or. Comment est-ce que vous avez réussi à devenir le boss de ce coin-là, le temps des fêtes ? C'est l'opportunité du départ. Personne n'a voulu se mouiller, et on est venu et on a été accepté. Et ça y est, maintenant, c'est votre place pendant Noël. Pendant Noël, c'est à nous. Alors ces sapins, ils viennent de Dordogne, donc pas loin d'ici. Dordogne, entre la Dordogne et la Charente, à Augignac exactement. Racontez-moi, avant que ce sapin devienne un objet de décoration et de tradition, quelle est son histoire, ce sapin? Ils ont poussé depuis combien de temps? Un sapin comme ceci, ça a 8 ans. Et les petits devant, comme on a là, ça a 4 ans. D'accord, donc en fait, pendant qu'on parle, vous êtes en train d'aller vérifier aussi en Dordogne les sapins que vous vendrez dans 4-5 ans. Pour essayer d'avoir une belle qualité. Alors c'est quoi un sapin de bonne qualité? Parce que chaque année, c'est le sujet qui revient tous les ans dans les médias et dans nos vies quotidiennes. Comment on sait qu'un sapin est bien? Un sapin de belle qualité, c'est qu'il a une belle couleur et qu'il est bien, il est bien touffu d'en haut jusqu'en bas, qui ressemble à la forme d'un sapin. Parce que des fois, dans le lot, il y a toujours un sapin qui... Mais enfin, il y en faut pour tous les goûts. Mais alors, les sapins arnaques, qu'on peut voir parfois peut-être dans la grande distribution, ils viennent d'où? Ben, ça vient peut-être du Morvan, mais c'est des sapins de la grande distribution, c'est du tout venant qu'on appelle. Tandis que nous, c'est de la qualité extra. Le tout venant, ils coupent un champ, ils revendent à Leclerc, à Auchan. Alors, pourquoi c'est différent? Parce que nous, c'est des plus belles arbres. Tu peux avoir à Leclerc acheté un beau sapin, et puis tu peux tomber sur 10 mauvais sapins qui ne sont pas beaux quand tu les as chez toi, quoi. Tandis que là, chez nous, les gens peuvent choisir l'arbre de Noël. Voilà, c'est ça. Et c'est des sapins qui ont vraiment vécu, qui ont eu une vie de sapin, de bonne qualité, sur des terres saines. Il y a un sapin comme ça, un appartement en chaleur, ça tient 30 jours minimum, avant que ça perde ses aiguilles. Ça, c'est bon à savoir. Et puis, c'est vrai que ça sent bon. Et ça sent bon, c'est l'épicéa, c'est le sapin traditionnel de leur enfance. Alors, je sais que je vais vous faire râler, hein, Willy, mais j'entends parfois et je lis dans des articles que les sapins en plastique, c'est plus écolo, parce que finalement, on les ressort chaque année. Oui, c'est plus écolo, mais pour les produire, c'est pas très écolo quand même. Ça voit pas l'intérêt, mais enfin, c'est quand même plus beau d'avoir un arbre vivant chez soi qu'un arbre en plastique, quoi. Et puis toutes les tailles, hein. Mais attendez, celui qui est derrière nous, là, celui-là, il est à vendre? Il est à vendre, il fait presque 5 mètres. Mais là, il est vendu? Il est vendu. À qui? À un client qui nous l'a commandé. Mais qui met un sapin de cette taille-là chez lui? Mais vous savez, dans les appartements de Bordeaux, ils ont des grands plafonds, il y en a certains. Hein. Bon, ben, ce sera pas chez moi. Non, moi non plus. Bon, et le boulot a bien démarré jusqu'à la fin des fêtes? Ça a été, il faut pas qu'il pleuve ce week-end. Voilà, parce bon. Le plus gros, c'est ce week-end, la plus grosse des ventes. Ah, c'est vrai, là, le week-end du 8-9 décembre, Téléthon, etc. C'est le plus gros week-end. Pourquoi? C'est la tradition à Bordeaux, sûrement. Mais oui, je suis sûr qu'il y a aussi des acheteurs de dernière minute qui, le 24, viennent le matin. Le 24 décembre, on en voit encore une dizaine. Hein. Et voilà, je vous souhaite de bonnes même fêtes. Même après Noël, des fois. C'est vrai? Bien sûr. Même après Noël, les gens viennent acheter leur sapin? Même après Noël. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Mais ceux qui sont partis ailleurs, fêtent Noël dans leur famille, qui reviennent pour le premier de l'an, ils n'ont pas de sapin chez eux, ils viennent vite chez nous pour acheter un sapin. Allez, venez me parler de ce Père Noël, Willy, parce que le Père Noël, il travaille avec vous. Vous avez vu aussi, cette année, on a des sapins de couleur tout à fait naturelle. Turquoise. J'aime les sapins turquoise et rose. Ce Père Noël, il est fidèle aussi, hein, parce que le Père Noël ne peut pas être partout, mais je sais que ce Père Noël, ça fait 4 ans qu'il travaille avec vous. Ça fait 4 ans qu'il est avec nous, oui. Et comment vous avez réussi à garder le Père Noël pendant 4 ans? Parce qu'il nous aime bien et puis il aime faire ça surtout. Ça c'est clair, on va lui demander. Regardez, il y a les enfants qui sont là. J'en connais une qui est un petit peu, qui est un peu frileuse, qui ne sait pas trop ce qui se passe avec ce monsieur. Comment ça va Père Noël? Bon, on est ravis de vous voir, on vous voit chaque année. Tous les ans vous êtes là? Tous les ans je suis là, pas le mieux le marché de Noël. Et faire venir les enfants de bon cœur, avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonheur. Et que tous les marchés de Noël, que ça marche bien. D'année en année, est-ce que les enfants changent? Est-ce que les demandes changent? Tous les ans, il y a des nouvelles questions qui me posent. Comme que si je suis du vrai Père Noël, si j'arrive à Polonie, il y en a qui me demandent mon âge. Vous répondez quoi? Alors, des fois, mon âge, je dis, j'ai pas d'âge. Là, je sais pas quel âge j'ai.
Et j'arrive à Poligny. Et même il y en a qui me posent si j'ai milité si fort, je dis ça à Poligny pour faire tous les cadeaux. Bon, et alors parfois vous avez des anecdotes quand même avec les enfants? Ça m'arrive, il y en a qui pleurent, il y en a que je remonte le moral, tout ça de cœur. Mais c'est vrai finalement, le Père Noël il est là pour remonter le moral. Oui. Et même voilà, monsieur Ouli Magiman. Les enfants vous laissent leur tétine. Ils laissent tétine, j'en ai. Tétine, les voilà. Genre, j'ai promis au Père Noël d'arrêter la tétine après Noël. Quoi. Voilà, voilà. Vous imaginez le pouvoir du Père Noël? Voilà, Coluche disait, c'est pas moi qui le dis, hein, la différence entre Dieu et le Père Noël, c'est que le Père Noël, c'est vrai. Ah, mais ça n'engageait que Coluche. Ça, c'est vrai que Coluche avait raison. Merci Père Noël, bonne fête et bon courage, il y a du boulot encore. Bonne année, bonne santé. Eh ben, écoutez, on prend, hein. Bonne année, bonne santé. Merci à vous, merci Willy. Le marché de Noël, vous l'avez compris, ce sont 150 chalets, mais les animations sur Bordeaux et l'agglomération bordelaise, c'est aussi un peu partout en Gironde, puisqu'il va y avoir aussi évidemment beaucoup d'animations. Viens par là François, on va aller par là. Il va y avoir aussi beaucoup d'animations du côté de Villeneuve-d'Ornon, qui propose aussi des animations, mais également à Talence, à Laibaut, hein, du côté de Bacalan. Bonjour madame, ça sent bon la crêpe et la gaufre, mais aussi dans les vignobles, dans le vignoble bordelais, puisque dans le Médoc par exemple, des animations sont proposées dans les châteaux. Et puis on va aller voir aussi une artiste intéressante qui s'appelle Myriam Juan, parce qu'elle a des origines espagnoles. Maïji, c'est son nom d'artiste. Et Myriam, elle est intéressante parce que déjà elle est en train de travailler. Elle travaille en direct avec nous sur ce marché de Noël. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors vous avez des origines espagnoles? Tout à fait. Et c'est la première année que vous participez à ce marché de Noël. Alors ce marché de Noël avec ses chalets, vous avez deux chalets, celui qui est à côté et celui-là, où vous vous exposez tout à fait deux styles d'œuvres très différentes. Oui, elles sont distinctes. Donc il y a une première série qui est une série naïve qui m'a été inspirée par ma grand-mère. Et la suivante, c'est Les Hommes qui Marchent. Ce sont Les Hommes qui Marchent. Et celle-ci est plutôt figurative. De Bordeaux à Moscou, de New York à Paris. Tout à fait. Et puis là, elles ne sont pas exposées, mais j'ai d'autres toiles qui sont plus abstraites, des hommes qui marchent. Et c'est pour un peu évoquer mon désir de parler des hommes, que ça soit symbolique dans leur marche, leur quête, et puis d'une manière aussi physique, où on les voit marcher. Voilà. Il y a un mouvement. Regardez ce petit air d'été alors que l'hiver approche. Il y a aussi des hommes qui marchent pas, hein, et qui bullent sur la plage. Ils y seront pas encore, ils y sont pas encore, mais bientôt ils y seront. Ouais. Ils vont marcher. Un peu froid parce qu'ils auront les maillots de bain aussi. Ils vont marcher sur le sable. Moi, ce que j'aime bien, alors vous parlez de votre grand-mère, ça, tous ces dessins, c'est votre grand-mère. Elle vous a inspiré ces femmes que l'on voit là. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais une grand-mère qui était toujours coquette, très bien habillée, donc avec les chaussures et sac à main assortis, mais en revanche, elle n'avait aucune grâce. Donc elle s'asseyait un peu la maman, elle s'asseyait sur une chaise et elle avait les jambes écartées. Enfin, c'était pas très, très joli, ça allait pas du tout avec le style. Ouais, mais c'est ce qui a fait que vous avez aimé votre grand-mère, quoi. Tout à fait, ouais. Alors moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, Myriam, c'est que votre stand est là avec vos œuvres et vous pouvez, vous, téléspectateurs, faire ce que je fais là, c'est venir vous parler. Vous êtes là pour raconter votre vie d'artiste, votre parcours et vous n'êtes pas là vraiment pour vendre. Pas du tout, non, je suis là pour animer au niveau des deux chalets et puis montrer un peu mon œuvre et en parler. Alors évidemment, si une œuvre nous plaît, on peut en parler, mais contrairement à la majorité des stands ici, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de produit. On est là pour raconter surtout une vie d'artiste. Oui, oui, oui. Oui. C'est facile d'être peintre aujourd'hui en 2019? Pas vraiment, non. Non, non, non. Non, et puis moi c'est une manière aussi de me faire connaître puisque je suis là dans la région depuis très peu de temps. Donc je me fais connaître là, vers les personnes. En plus, c'est très touristique, donc Bordeaux, je vais voir des Espagnols comme je vais voir des Français. Enfin, je vois tout le monde, c'est quand même cosmopolitain. Puis raconter une histoire, c'est sympa. Dans un marché comme ça, les gens aiment par exemple peut-être un jour se procurer une toile de vous qui est unique. Oui, aussi, oui, effectivement. Alors, je me le souhaite. En tout cas, c'est une belle expérience pour vous. Oui, oui, tout à fait. C'est pas banal, hein, des artistes qui sortent de leurs ateliers et qui viennent parler comme ça dans un marché où quand même, il est quand même question de consommation. Oui, j'aime bien parce que les gens sont intéressés et puis posent des questions. Donc c'est agréable à travers leurs yeux et leurs paroles.
je ressens et ça me fait avancer aussi pour mon œuvre, surtout les hommes qui marchent. Et ben voilà, il n'y a pas que les hommes qui marchent, il y a aussi Myriam. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Et bonne fête, merci. Venez la rencontrer Myriam. Venez, on va aller par là juste derrière parce qu'il est bien sûr question de solidarité. Et dans ce marché de Noël, il y a le chalet associatif. Cela veut dire que des associations vont se partager le chalet qui est ici, à côté de la crèche. Évidemment, le petit Jésus n'est pas encore là puisque le petit Jésus n'est pas né. On va aller à la rencontre de Maïmouna Silla. Maïmouna Silla est l'une des fondatrices de Nimba. Nimba, partage, dignité, action, respect et engagement. Bonjour Maïla, ça va bien ? Oui, bonjour. Alors le chalet donc des associations, c'est ici que plusieurs associations humanitaires d'entraide vont se partager cet espace pendant le marché de Noël ? Exactement, c'est ça. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité et puis pourquoi pas récolter des fonds pour nos futurs projets. Alors Nimba, Nimba c'est un mot qui vient d'où ? Alors ça vient de la Guinée, Guinée-Conakry. Donc voilà, c'est, ça représente à l'heure actuelle, donc il y a une réserve naturelle qui s'appelle Nimba aussi. Et nous à la base c'était par rapport à sa représentativité, c'est-à-dire la statue de la fertilité. Donc voilà. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes là ? Eh bien parce que ces bijoux, ceux-là viennent du Niger, ceux à ma droite viennent du Sénégal. Et l'idée, bien sûr, c'est de les vendre pour un beau projet, un beau projet qui lui se prépare en Guinée. Oui, exactement. Donc notre projet final de l'association, c'est de créer un orphelinat en Guinée. Et entre-temps, nous menons des actions donc ici bien en France, parce qu'on va faire des kits pour l'hiver, des kits d'hiver. Et donc prochainement aussi, le gros projet, c'est au Niger. Donc on vous en dira un peu plus, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Exactement, Nimba en plus c'est amusant parce que c'est une statue qui représente la fertilité. Exactement. Donc on parle d'enfance. Oui, voilà, exactement. Donc tout est lié un peu à notre projet final de l'association, donc l'orphelinat. Et en plus, donc, c'est une ethnie de la Guinée qui a pour référence cette statue. Donc voilà, c'est aussi référence à la Guinée, aux enfants, très significatif. Et ça c'est très beau. Et vous avez des origines d'où ? De la Guinée. De la Guinée, de Conakry. Et Noël là-bas, c'est important ? Bien sûr, parce qu'on a une communauté de chrétiens aussi en Guinée. Certes, il y a une forte majorité musulmane, mais il y a des animistes, il y a des chrétiens. Et c'est aussi fêté, ils vivent très bien cet événement, exactement. Et merci à vous de nous avoir accueillis et bravo pour cette belle démarche. D'ailleurs, je le précise, c'est basé du côté de Mérignac, l'association. Venez, on va terminer avec les organisateurs de ce chalet. Et je vais aller à la rencontre de Marie-Sara. Marie-Sara Michel, elle est là. Et vous savez pourquoi elle est là, Marie-Sara ? Parce qu'elle a terminé ses études, elle est en communication. Et c'est elle qui vous accueille, avec pourquoi pas vos enfants. Parce qu'ici, évidemment, il y a des animations tous les jours, Marie-Sara. C'est ça, tout à fait. Donc ici, c'est le chalet accueil-animation. Donc pour l'accueil, on informe les différents visiteurs sur les animations qui se passent pendant le marché de Noël. Et pour les animations, on a plein d'animations tout au long de la semaine. Donc je vais vous les présenter. Donc nous avons tout d'abord les maquillages des clowns stéthoscope. Alors là, pour l'instant, les enfants sont à l'école, mais pendant les vacances et pendant les week-ends, il y a plein de monde. C'est ça, donc ça se passe tous les mercredis pour les clowns. Et ensuite, les dons sont reversés pour égayer le quotidien des enfants défavorisés. Et le week-end, nous avons la chasse au trésor, donc Où est la fée, et également le spectacle de Monsieur l'ours et Madame Neige, où là, ce sont deux comédiens qui racontent des contes et qui, comme vous pouvez le voir, mettent des confettis dans le quotidien des petits-enfants pendant l'histoire. Et puis c'est intéressant parce qu'on parlait de solidarité. Vous voyez tous ces paquets qui sont là ? C'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pas pour Marie-Sara, c'est pour des enfants qui ont moins de chance. Si on veut acheter des jouets, si on veut donner des livres, si on veut offrir quelque chose, on peut les apporter ici. Tout à fait. Donc l'ensemble des jouets qu'on nous ramène sont au profit du Secours Populaire. Et donc notre objectif cette année, c'est de récolter entre 5 000 et 6 000 jouets. 5 000 et 6 000 jouets, c'est vous dire si on réalise derrière qu'il y a des familles qui auront besoin de cette chaleur et de partager des cadeaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est ça, les enfants défavorisés seront très contents de recevoir un livre, une peluche, des puzzles, vraiment pour Noël sous le sapin, ils seront ravis. Vous êtes toute jeune, vous sortez de vos études. C'est ça, tout à fait, je fais des études de communication et actuellement, je recherche mon premier emploi en communication culinaire dans l'idéal. On peut dire en tout cas que c'est une belle expérience tout ça pour vous.
C'est ça, oui. J'ai déjà travaillé pour les Épicuriales qui a été organisé par la Ronde des Quartiers. Et là, faire le marché de Noël, c'est une autre ambiance et c'est très agréable. Voilà. Bravo à vous parce que tout ça c'est un vrai boulot. Merci en tout cas Marie-Sarah. Vous l'avez compris, hein, ça va durer jusqu'aux fêtes de Noël. Et puis si on veut finir un peu, dans une posture un peu ridicule, oh moi j'ai peur de rien dans cette émission. Allez salut, bonne fête et bonne semaine sur TV7.